Alors, pendant que je mange ma petite glace, ils ont changé la déco dans le hall, dans ce pavillon 6. On va découvrir dans un instant. Très festif comme, comme saison. Et ici, on va découvrir Kia, Ford et Renault en priorité. Et probablement aussi, on fera un tour chez Dacia et Alpine où il y a des modèles très très sympas sur lesquels les marques en fait communiquent beaucoup. Donc, je vous propose qu'on y aille. Et dès l'entrée dans le pavillon, on voit le fameux 5 de Renault partout. Alors par rapport à l'autre pavillon ici, ça claque un coup quand même. Et le 5 pour la Renault 5, évidemment, on a tous hâte de découvrir. Et elle est juste ici. Tu veux pas voir quoi ici un défendu? Il y en a partout. Comme c'est foncé, vous voyez pas pour un contact que demander. L'arrière, c'est un peu c'est comment? Ou là l'électrique c'est moins cher que l'électrique hybride. Ouais bah ça doit être 40. Hein. Et là en bleu. Un magnifique bleu azur. Elle est déjà sortie. Des grosses roues de 18 pouces. Un petit coffre comme à l'époque. Les phares qui sont en relief. Un en noir ici. Ah le noir moi. Hein. Regarde, je sais pas si t'arrives à voir là, mais regarde, il y a des gens. Franchement, il est vivant, il est profond, il peut ranger les câbles. Super. Franchement,
l'intérieur. Les garçons, c'est joli ou pas? C'est quoi ta couleur préférée? C'est laquelle? La blanche, la bleue, la jaune ou la verte? Moi, c'est la jaune. La bleue? La bleue. Non, la jaune. Pourquoi la jaune? Parce qu'elle est belle en jaune. Ah ouais? Mieux que la verte? Ouais. Et t'aimes bien dedans? Mais c'est bon, tu sais pas. Ça s'allume et tout. Tu penses que tu peux choisir la couleur ici? Ah bah voilà. Hey, toi, ça y est quoi, t'en as acheté une quoi. Hey, tu connais tout déjà là. Et c'est quoi ton préféré à l'intérieur, la lumière? Ah oui, en rouge. Quoi, c'est sport quoi. Tu vois cette version là, noir et rouge comme ça, j'aime bien. Ouais, par contre, tu vois, l'intérieur jaune ça fait un peu bon, tu vois. Ouais, ça fait ça, ça rien à voir. Ouais, ça casse les rappels. Ah oui. Ah, ici, on a des accessoires. Comme du short domestique. Alors ça c'est pour le clignotant, si je me trompe pas, la boîte de vitesse. Ici un certain nombre d'accessoires qu'on le met à l'intérieur, au niveau de la coudoir et tout par exemple, si on a un genre de porte-clé, enfin porte-stylo. Ok. Donc, si vous en avez configuré une, on met votre code ici pour que vous puissiez le retrouver en ligne. Et tout est en impression 3D. Magnifique. Et ça va faire un carton. Le stand Renault. Le stand Renault, c'est quelque chose. Le nouveau Scénic. Le nouveau Scénic qui est aussi en tout électrique. Alors là, il y a du monde. Hein. Allez-y, on vient découvrir là, on vient de voir la 5 comme tout le monde. Justement, je vais faire une proposition par rapport au véhicule pour votre vidéo à Nantes Zelena. Du coup, c'est parce que c'est professionnel. Est-ce que vous êtes intéressé pour avoir de la documentation sur les Scénic? Ouais. Ou sur la R5 ou la R4? La R5 avec plaisir. Pour vous avoir plein de documentation sur tout ce qui est les véhicules d'aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est-à-dire que je peux vous proposer de prendre votre adresse email et vous envoyer un formulaire qui vous permettra d'obtenir les informations sur tous les véhicules. Parfait. Vous êtes intéressé? Ouais, avec plaisir. Vu mon avis coupé, mon avis. On est de retour. On a le même avec une couleur mat.
C'est pas le même si on a la Rafale. La Rafale qui est un modèle un peu fastback coupé avec des roues énormes. Et ensuite on a les modèles classiques, le Arcana, le Clio, et ici la R5. Toujours la R5 est la future Twingo qu'on voit juste ici. Accessoires en imprimé en 3D que l'on met à l'intérieur, en fait à l'intérieur des portières, la console centrale, les couleurs au choix, et voilà pour Renault. Alors on vient tout juste de quitter le stand Renault, on passe à Alpine qui est juste à côté, et vous allez voir il n'y a pas 150 voitures chez Alpine. Bon, on a la même chose dans la R5 mais en Alpine, et qu'ils appellent, si je ne me trompe pas, Alpine A290, donc qui est un peu une copie identique de la R5 mais un peu plus sportif et bien entendu plus puissant et plus cher, et on va essayer de voir ça. Ça vous sert à quoi en fait de montrer? Oui, il doit être commercialisé, j'ai mis ça. Pardon. Il y a eu dans l'histoire des concepts. L'intérieur c'est exactement la même chose, juste à la place de Renault 5 on a un A290 et le volant qui change pour un volant Alpine avec des jantes incroyables. Un tout au fond. Ici bien entendu les petits. Alors, le jour. Et ici on a l'édition limitée de la A110.
plus de 200 000 euros. Et un peu à l'effigie de Renault, il y a du monde. Hein. Il y a du monde. Ah ouais? Il y a du monde. Et je les ai rencontrés que l'année dernière. Oui, je comprends. La voiture de course. Non, sauf qu'il l'a acheté, il a dit tiens, comme ça, je vais débarrasser. Et moi maintenant, je me balade avec. Ta bagnole en 2050. Oh non, en 2050 il aura mieux. Hein. Non, pour avoir de l'argent. Faut économiser. Bon, par rapport à la Renault, bah, on a du cuir, un cuir très mou. On a un volant un peu plus stylé, la consommation centrale qui change. Un genre de plastique vraiment un peu comme d'époque. Celui-ci est un peu pas facile. Voilà. C'est très 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 plastique. C'est dommage ça.